Voilà donc je salue tout le monde, donc le parrain est déjà là avec Alekanda. Et Bakara, merci Alekanda, soyez les bienvenus, merci pour les parrains. Soyez les bienvenus. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est le président de la danse de Kamarakunda. Merci, vous êtes inconnu. C'est mon président, merci, vous êtes inconnu. Merci, vous êtes le parrain Bakari Soussé. C'est le parrain du jour et la compagnie de la dame, madame Soussé. Passer à la salutation. Donc les jours sont aussi déjà présents. Et que comme vous l'avez dit, Sadio, Malik Sissé, Abdourahmane Ba, Teba Dabo, Lamine Sadio. Donc voilà les 11 partants et maintenant les remplaçants, c'est Lamine Sissé, Mamadi Diandi, Bienvenu Biaye, Moussa Biaye, Lamine Diandi, Jules Diandi et Salif Baldé. Et ça passe, monsieur, on va passer. Monsieur Maodo Dia, Monsieur Magaï Gaï, Monsieur Jean-Pierre Dinkoli de Boutoukabarakonda, Nignova, Gungé Parembi, donc Parembi et accompagné de sa dame, Madame Sissé Dinde Touti Diallo, Ousmane Yann Tiam, Monsieur Idrissa Sissé, Monsieur Pierre Sagna, Monsieur Ousmane Lukan, Monsieur Maodo Dia, Monsieur Magaï Gaï, Monsieur Jean-Pierre Dinkoli. Merci, Monsieur Sow. Voilà, donc comme on l'a si bien dit, donc nous avons aussi le président de la zone 5 de Niagis, en l'occurrence Sadia, et Lamine Dabo, le président de la zone 5 de Niagis, après Maré. Coéquipier qui vient juste d'entrer, c'est le numéro 4. Il s'agit de Mamadi Diandi. Mamadi Diandi qui prend la place de Abdoulaye Djemé, le numéro 13. Blessé et sorti. Voilà le match, lui, il se poursuit. Et ça sera une touche en faveur de FC Nema qui va jouer. Bambo Sissé qui joue pour le numéro 7. Sidikou Silla, mais il perd la balle.
en commettant une faute sur le joueur de Tim Nema. Et voilà le fair play. Voilà, c'est du coup c'est là qui fait ce qu'on appelle le fair play. Des actions que nous aimons vraiment avoir dans les matchs. C'est ça le football. Le football, c'est vraiment un facteur pour fédérer la jeunesse, mais également tisser de bonnes relations ou bien de bonnes. On peut dire. Voilà, Salam Diallo qui est introduit pour le numéro 17, le capitaine qui va laisser passer. Il récupère beaucoup de ballons, mais le ballon que va jouer aussi le numéro 6 de Tim Nema. Ousmane Manga, attention le ballon dans la moitié de terrain de Tim Nema, mais il n'hésite pas à dégager loin devant. Abbas Ligny wax touche du fess. Touche du fess. Bu ñu gisul lu ñu xam dañuy dégager ci touche bi ñew replacer wu taxaw. Ñom ñoy mené par 1-0. Marché bi bu jéxé fi ñom ñoy gaddu coupe bi. Coupe bi nga xamantene moy première édition tournoi Nema bi nga xamantene ki di Bakary Cissé moy parrain bi nek ci quotidien bi di record groupe futur média tous bataille bi nga xamé tous bi nak ñom ñoko mom c'est latéral droit bi mokoy jouer ballon récupéré par le numéro 7 bataille touche encore balle bi yag na fa Abbas yag na fa meun nañ fa ray match bi attention le ballon récupéré par la défense de Tim Nema. Le numéro 4 qui prend des risques mais qui s'en sort avec son numéro 6 Manga qui lance dans la boîte dévié par le numéro 12 mais le ballon n'arrive pas à destination, faute offensive. L'arbitre demande de rejouer. Samba est à terre, c'est des crampes à basse. Li lañ doon wax jori amuñu compétition corona bi mo fa jaar. Ken footballul jogana mais ñu ngi sentir né dafa son. Samba jogana positionne ci ginnaw défense bi mais défense bi mu ngi jouer hors jeu bi avec le nouvel entrant Moussa Ndiaye mais milieu de terrain mais mu ngi jouer ligne bi nga xamantene baxul mën na ci bété équipe amatation le ballon récupéré par le numéro 19. Le numéro 19, Salif Baldé, qui dégage en touche. Une touche que va jouer le numéro 4, Souleymane Diandi, qui s'appuie sur le numéro 13 en attaque, qui travaille son vis-à-vis, mais il y a une faute, mais l'arbitre l'a joué. Les fauchés, attention, un très bon dribble. Le numéro 6, Manga, mais un ballon mal négocié par son numéro 17. Jules Diandi, mais qui revient avec une récupération. Il veut forcer la décision pour égaliser. L'arbitre laisse jouer, il n'y a rien. C'est sur la ligne médiane. Attention, qui est introduit dans la boîte. Il a failli marquer dans ses propres buts. C'est une sauvetage qui a failli finir au fond des filets. Heureusement pour Tim Nema. Abbas, match bi mën nañ égaliser comme mën nañ jël deuxième bi mais nonu Hassan Ba ñaari équipe yi danaka match bi jéxagul même si toujours FC Nema mène 1-0 alors que nous sommes à quelques encablures de la fin de cette rencontre mais tout est possible en football. À l'instant c'est le corner, ballon centré. Le centre, gardien la sortie. Et malheureusement, qui sera dégagé par la défense. Encore dégagé par la tête. Renvoyé encore par la défense de FC Nema. Et voilà le gardien qui s'en auto-saisit. Il se dégage. Mauvais dégagement qui sera récupéré de nouveau par les zones. Et voilà. FC Nema et Tim Nema. Touche pour FC Nema. On joue pour le numéro 8, Bambo, qui redonne à Cristiano le numéro 7, Sidibou, Sidou Koussila. Et voilà, arbitre qui siffle, touche, ou bien, retour de jeu.
Et ça sera en faveur de Team FC Nîmes. Ballon dégagé par le numéro 19. Il s'agit de Salif Baldé. Ça sera en Sosolasso dans la surface de réparation des FC Nîmes. Heureusement qu'ils parviennent à dégager le ballon. Et ça sera le duel entre le numéro 3 et le numéro 5. Ballon en tous en faveur de FC Nîmes. Et voilà, ils ne sont pas du tout pressés parce qu'ils savent si le match reste ici, ils sont vainqueurs. Et si jamais l'équipe de Team Nîmes égalise, et voilà, ça sera donc la séance des tirs au but. Et j'espère bien, je dis, l'équipe FC Nîmes ne souhaite pas qu'on en arrive là. Et pourtant, si Team Nîmes pense qu'ils parviendront à égaliser, ça n'est pas du tout apprécié, ça ne sera pas du tout également apprécié par FC Nîmes. Regardez le changement qui est en train d'être effectué. Et regardez comment le numéro 8 marche. Ce qui dit que actuellement on joue avec le temps. Mais le temps appartient à l'arbitre. Et l'arbitre en saura quoi en décider. Et voilà, au moment où je vous parle, j'aperçois devant moi mon confrère Babacar Sambou de Dakar Actu, qui fait en tout cas un travail extraordinaire aujourd'hui, qui fait partie de ce trio arbitral. Babacar Sambou, le jeu, ça recommence. Salam, qui va se passer? Malheureusement, le gardien qui fait une très bonne sortie et qui s'en auto-saisit. Et voilà, ça joue rapidement, côté rouge, avec le numéro 17. Arbitre qui signale, faute, ça sera rapidement joué. Non, on joue avec le défenseur, le numéro 4 qui redonne, le dossard numéro 17 qui va essayer d'introduire le gardien. Très bonne sortie, le gardien, mais ballon toujours pour les rouges. On centre, voilà. Le gardien s'en auto-saisit sans difficulté. Et voilà, il se couche. Team Nîmes qui vraiment fait de son mieux. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Et voilà le gardien qui se dégage. Ballon en chandelle. Duel entre Salam et le numéro 4. Et ça sera une faute autant pour moi en faveur des rouges. On va essayer d'introduire pour le Cristiano Ronaldo de l'équipe rouge. Également qui à son tour va commettre également une faute sur le numéro 2. Bambo Cissé de FC Nîmes. Et voilà l'expérience face à la jeunesse. Et aujourd'hui, si l'expérience fait la différence, ce qui veut dire également la jeunesse doit encore apprendre. Mais pour le moment, nous ne pouvons rien dire. Même si FC Nîmes mène 1-0, Salam. Ballon toujours, jaune, duel, ça sera une faute en faveur du numéro 4, le défenseur de Team Nîmes. Il s'agit de Mamadi Djandi. Ballon rapidement joué par les rouges. On va chercher Cristiano Ronaldo, le numéro 7, très loin. Il passe, Cristiano Ronaldo, le numéro 7 de Team Nîmes. Il va essayer de passer, non. La défense qui s'interpose. La balle n'est toujours pas sortie. Et voilà, Amadi Halil Djemé qui vient juste d'arriver. Le directeur de la radio Génération FM. La radio de toutes les générations et de toute sa génération. Je vous disais, l'équipe est composée de Amadi Halil Djemé qui vient juste d'arriver. Amadi Halil, bonsoir. Non, je ne suis pas arrivé. Ouais, Amadi Halil Djemé qui est un peu fatigué. Attention, le ballon, le gardien qui relâche le ballon, mais qui se rectifie. Mais Abbas, deuxième mi-temps, qui dit Abdourahmane Bagne, qui s'en a fait la différence en première période, de faire la deuxième mi-temps. Lolo Monson à l'équipe de Team Nîmes, au moment de la tactique, nous avons maîtrisé. Je ne sais pas si la fatigue est là, mais sentir une deuxième mi-temps, comme première mi-temps, à maintenir. Nous avons fait la différence sur le côté gauche, le côté droit, du milieu de terrain. Nous avons fait un pass. Mais vraiment, en deuxième période, on n'a pas vu le même Abdourahmane Ba dans un match. Attention, le ballon dans la boîte. Repoussé par la défense. Attention, Abdourahmane Ba qui récupère.
avec son numéro 17, le capitaine numéro 20 qui tire. Attends, l'arrêt du gardien. Mauvais choix encore d'Abdourahmane Ba qui pouvait reprendre le ballon dans les sifflets. Voilà, nous sommes toujours dans la seconde période de cette rencontre. Sur la séance de tir au but que nous assistons à l'instant, et FC Nema qui a tiré en premier, le numéro 6 qui a marqué, et voilà le numéro 17 de Team Nema qui prend son élan, il se lance, il prend son temps, il tire, voilà il marque, un but partout, FC Nema marque. Team Nema également égalise. Et voilà, FC Nema qui se dirige. Son capitaine, Sidikou, c'est Janso Cissé, le capitaine de FC Nema, qui pose tranquillement le ballon, qui prend son élan. Arbitre donne le coup d'envoi. Et voilà, il se lance. Le gardien qui le surveille également. Il tire, hop, sur la barre transversale. Sur la barre transversale. FC Nema qui rate le deuxième tir de cette séance de tir au but. Alors, Team Nema, le capitaine après capitaine. Voilà le capitaine de Team Nema également, qui vient pour donner peut-être le moral. Tire, il marque. Il marque. Ça fait 2-1 pour le moment en faveur de Team Nema. Team Nema qui mène pour le moment. Et voilà le numéro 7 de FC Nema qui se lance. Il se dirige tout doucement vers le gardien pour peut-être marquer et donner de l'espoir à l'équipe FC Nema. Ou bien si jamais il rate, et si jamais il rate, je dis, ça va peut-être encore foncer FC Nema dans le trou. Et on ne le souhaite pas. L'arbitre a sifflé, il se lance. Il se lance, il tire, ouais, il marque. Contre-pied. Il prend le gardien à contre-pied. Il marque. Voilà Abdourahmane Ba, le joueur clé de Team Nema, qui se dirige et qui prend le ballon. Cette fois-ci, les hommes disaient, souvent les gens les plus remarquables lors des 90 minutes ne sont pas aussi efficaces en tir au but. Parfois il arrive qu'ils peuvent rater, mais cette fois-ci on va voir. Et voilà Abdourahmane Ba qui marque. C'est la fin. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Team Nema remporte cette finale. La première édition du tournoi Nema. Et l'histoire retiendra en tout cas que la première édition du tournoi Nema est remportée par Team Nema devant l'équipe FC Nema. Et voilà, voilà, voilà comment il célèbre, voilà comment il le célèbre, voilà comment il célèbre cette victoire. Et voilà comment ça se passe à Nagis devant ce public si extraordinaire, devant une population extraordinaire. Et voilà, voilà, regarde derrière moi comment ça se passe. Voilà comment ça se passe ici à Nagis. Et pourtant, le match a été bien négocié par FC Nema. Et le match a été bien négocié par, on peut dire, Team Nema. Le pourquoi je dis bien négocié par Team Nema, parce que ils étaient pressés en un moment, mais après ils se sont rendus compte, si on est pressé, nous ne parviendrons jamais vraiment à marquer. Alors, il faut jouer avec le temps, il faut jouer avec clairvoyance, il faut jouer avec patience, il faut jouer avec intelligence. Et voilà, ils l'ont fait.
ils l'ont fait également et ils l'ont inscrit. Le but vraiment qui pouvait être un but libérateur, le but égalisateur à la dernière minute de cette rencontre. Et voilà, un match qui se transforme dans quelques instants et qui donne également la victoire à Team Nema. Voilà FC Nema qui menait. Malheureusement, FC Nema menait jusqu'aux toutes dernières minutes de cette rencontre. Et finalement, ils n'ont pas pu vraiment sauver cette belle nomine, cette belle domination, ou bien sauver le marque, ou bien la marque de la première rencontre à la 25e minute par Salamba. Et ces derniers, ils ont perdu. Ils ont perdu face à une très bonne formation de Team Nema qui la remporte. Cette première édition du tournoi Nema, parrainée par Bakary Cissé, le journaliste sportif de Record Quotidien du groupe Média du Sud, le rédacteur en chef de Record Quotidien. Alors, toute la presse de la Casamance était là. Toute la presse, en tout cas, je peux dire, était là. Se désigne un short, la presse locale. Nous étions tous ici pour vous faire vivre les moments forts de cette rencontre. Une fleur remportée par Team Nema. Merci à René Sagnan. René Sagnan qui vous permet de voir tout ce qui se passe actuellement ici au stade municipal de Niagis. Et vous allez également, avec René Sagnan, visiter ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez comment ils sont rassemblés. Ce qui veut dire, nous allons assister à la remise des trophées. Merci à vous, internautes et internautes également. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments extraordinaires. Nous vous disons à bientôt et nous vous laissons vivre ce qui se passe de l'autre côté. Non, deux mots. Oui, nous sommes très satisfaits. C'est vrai que c'est une compétition qui a lieu dans des conditions plus ou moins difficiles liées à la pandémie de Covid-19. Malgré tout, la population a tenu à ce qu'on joue ces compétitions qui sont devenues, qui sont déjà inscrites dans l'agenda de la localité. Donc il n'est jamais facile d'organiser des compétitions dans ces moments-là. Mais comme je l'ai dit, ça a été un moment de communion, vous l'avez bien compris. Et je l'ai dit et répété, moi je suis né dans cette localité. Donc je ne peux pas refuser quand on me sollicite. Et donc là, j'ai répondu volontiers à la jeunesse de ma localité. Et nous avons tous vu qu'effectivement, les 22 acteurs qui étaient sur le prêt ont répondu présents et ont rendu agréable la journée. Et donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. C'est la jeunesse de Niagis et particulièrement de Nema qui a gagné. Et donc c'est bien, ça nous permet quand même d'avoir une idée de ce qui se passe dans nos localités respectives. Parce que moi, en tant que journaliste sportif, je sais ce que ça veut dire le travail à la base. Et aujourd'hui, c'est le lieu aussi pour moi de remercier toutes ces personnes qui encadrent ces jeunes talents. Nous avons vu des talents ce soir et ces talents nous ont émerveillés. Et je pense que cela augure de l'endemain meilleur, même si on sait que ça ne sera pas du tout facile. Parce qu'effectivement, Dakar est à 455 km de notre localité. Mais cela ne nous empêchera pas d'essayer de travailler sur certains jeunes joueurs pour leur permettre quand même de réaliser leur rêve qui est de devenir des footballeurs. Qu'est-ce qui se rappelle concrètement pour ces talents cachés? Oui, on a ciblé deux joueurs. Je pense bien que juste après la manifestation, on va tenter de rencontrer les dirigeants pour leur en parler. Donc je pense que dès la semaine prochaine, nous essaierons de faire venir ces deux joueurs ciblés à Dakar pour qu'ils puissent passer des tests dans des clubs. C'est vrai que nous sommes à l'orée de la prochaine saison. Les équipes sont en train de travailler sur leur effectif. Mais ces jeunes, on sait bien qu'ils sont un peu de catégorie inférieure, c'est-à-dire des juniors. Oui, je pense qu'on n'aura pas de problème pour les caser quelque part. Je leur ai dit de courir en eux parce que moi, personnellement, je m'occupe de la communication et de l'image de Sadio Mané.
Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait qu'il est parti de Néan, c'est-à-dire de son Bambali natal. Et de Bambali à Liverpool, je pense que le chemin est très long. Il a couru en lui et aujourd'hui, Sadio est un modèle pour tous ces jeunes joueurs-là. On l'a encadré, on va essayer d'encadrer d'autres jeunes joueurs pour avoir d'autres Sadio Mané dans le terroir de Ziguinchor, pour ne pas dire de Niagis. Avec mon ami qui a bien voulu m'accompagner, le président de l'ONGAM, qui est aussi très très proche du ministre des Sports. On en a discuté. Moi, je suis en contact permanent avec le ministre des Sports. Je pense que effectivement, juste après cette journée, quand on rentrera à Dakar tranquillement, on essaiera de trouver une audience avec l'autorité pour essayer de l'informer, de la sensibiliser, et quand même pour que Niagis puisse trouver un terrain digne de son nom. Parce que il y a de l'espace. Nous avons la chance d'avoir un terrain très plat. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour qu'on puisse mettre en place ne serait-ce qu'une tribune et essayer de voir avec d'autres partenaires qui pourront bien nous accompagner dans notre tâche. Bien effectivement, nous en connaissons, nous savons qu'il y a des partenaires, on va essayer de s'ouvrir à eux pour quand même essayer d'aider les jeunes à sortir de l'ordre.